au coin, et je te dirai à quel moment tu reviendras. Mais arrête, mais mec, moi je suis youtubeur, je suis connu, mec, alors ferme-la. J'ai une carrière. Vraiment? Moi je suis youtubeur, je suis connu, j'ai une carrière. Toi t'es qui, toi? T'es même personne sur Telegram. Oh, le blanc. Allez, reflasher. Allez, comment je t'ai blanchi, mec? On y va! Ça chez nous. Ah d'accord. On s'est tous déjà tiré dessus au moins une fois. C'est culturel, ah bon, c'est ça, ça avec les cousins. Arrive souvent. Ça arrive souvent. Ah ben moi je suis pas, je connais pas. Mais il parle en plus. Dans la carafe, nous n'avons pas beaucoup de place. Non mais j'y crois pas. Il est focus en plus. Bah c'est ton cousin. On se casse le cul, fallait juste nier en fait. J'aimerais ajouter deux mots sur une personne odieuse. Il ne fait copier. Hein? Au Manu, ouais. Tu sais de qui je veux parler. Cet enflure a déjà copié Kenji plusieurs fois. Si nous l'attrapons, on lui fera manger une guitare. Non, non, mais moi je veux du boulot. Mais dis-moi, elle s'appelle quoi? Je parle bien de Nazim Boule Boule. Bah oui. Il a fait du mal à beaucoup de personnes. Tu sais, Manu? Malheureusement. Bah je sais. Mais c'est trop créatif, c'est trop beau. Elle s'appelle comment ta chanson? Le troll lui dit, elle s'appelle putain. Comment ta chanson? Son costume a deux doigts d'exploser tellement il est serré. Tu vois le dîner qu'il y a eu entre le père de Coréa et Coréa et les Longoria. Il dînait, ouais. S'appelait le restaurant s'appelait le Bar Loup. T'as le père de Coréa qui dit écoute-moi bien, et parce que je connais le serveur qui était là, il lui a dit tu recrutes Coréa, je veux que tu payes une maison à mon fils, je veux que tu payes ceci, ceci, cela. Qu'est-ce qu'il a fait Longoria? Au lieu de la porter ses couilles, il est parti aux toilettes. Tu sais ce qu'il est parti? Il est parti chier aux toilettes. Il a chié aux toilettes, il s'est pas lavé le cul. Hein, il s'est pas lavé le cul, il est revenu, il sentait le caca, son père savait qu'il sentait le caca, allez hop, ils l'ont recruté. On a un mec. Et Francis, et juste comme ça, au moins tu peux le relever en même temps, parce que c'est intéressant ce que tu viens de dire. Ouais, sur Longoria, quand tu veux tenir. Pokémon, qu'est-ce que tu me fais, gros? Deux mètres, tu t'impressionnes quelqu'un, frère. Mais arrête, mais mec, moi je suis youtubeur, je suis connu, mec, alors ferme-la. J'ai une carrière. Vraiment? Moi je suis youtubeur, je suis connu, j'ai une carrière. Toi t'es qui, toi? T'es même personne sur Telegram. Oh, le blanc. Allez, reflasher. Allez, comment je t'ai blanchi, mec? Blanc. D'accord, ok. Mais allez, remonte. Eh, mais attends, on s'amuse à peine, là. Vas-y, remonte ton visage, là. Arrête de te cacher, là. Avec tes petits cheveux, là. Oh, je t'ai double flash, mec. Attention, t'as des gros cheveux, toi. Il m'a déjà saoulé. Oh, ah, bah non, mais lui, il est déjà en pleine lumière. Pourquoi tu voulais mettre un... Ok, ça m'a... Ouais. Je fais ça depuis tout à l'heure, on fait des vidéos, on a réussi. On vient de le faire, le mec d'avant. C'était trop drôle. Attends, mais j'irai plutôt en live, le soir. On t'entend pas. Je suis ton fils, Luc. Je suis ton fils, Luc. Dark Vador. Bonne soirée à tous et alaikum salam, salam alaikum. C'était Safé Comédien. Tchou-tchous. Champion, mon frère. Paris, c'est magique. Et allez l'OM et allez tous les clubs de foot. Tous. Prenez soin de vous. Avec nous, dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Et je me balade dans la ville. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Et je me balade avec mes amis. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie. Car on a besoin d'affection dans la ville. Il va copier, les gars, c'est sûr. Et je me balade avec tout. Tu as la note de 10 sur 10. Maintenant, on va faire un cours de sport. Est-ce que tu peux te lever? Allez, on se met debout, c'est l'heure du cours de sport. Tu vas... Voilà, mets-toi debout. Tu vas faire l'exercice des flexions-extensions. Tu vas en faire 10. Tu t'agenouilles, ensuite tu remontes à 10 reprises. Allez, on compte. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, au coin. Et je te dirai à quel moment tu reviendras. N'oublie pas, c'est une sentence qui est irrévocable. C'est important que tu respectes la punition. Compris ? On dit oui, maître ! On est en cage ! Tu te tais, tu te tais, t'écoutes bon, allez, instructeur, on va se calmer tout de suite. Non, mais il a fait l'event, donc il est encore en état de choc. Peut-être qu'il pensait pas avoir non, à faire non, tout oui, ça. Mais non, aussi, non, on s'en occupe, on s'en occupe. Tous, allez ensemble. Donc maintenant, tu fais ce que l'instructeur te dit, d'accord ? Sinon, tu dégages. C'est la merde. Allez, à voir au sommet. C'est absurde ! Allez, reprends, Manu. Tu te tais ! Et quelqu'un m'appelle un chat, s'il vous plaît. Tu te tais, toi. Ouais. Attends, je peux y intervenir, c'est en HRP. En fait, il est, je le connais IRL, et il a des, comment dire, il est limité. Il a un handicap et il est dyslexique, donc c'est pour lui, c'est pas évident de le lire. Excusez-moi, attendez, juste. Bon, tu revois encore un deuxième film avec moi ou pas? Vas-y, t'es moi, on peut y passer toute la soirée. Hein, si tu veux t'exprimer avec moi, bah vas-y, on va parler. Vas-y, tu manges combien de quantité de viande par jour? Tiens, je veux savoir, quand tu fais un barbecue, tu mets l'équivalent de combien? Des brochettes, des merguez, des saucisses? Qu'est-ce que t'aimes le plus dans la viande? Vas-y, sois cru. Vas-y, dis-moi comment tu dévores ta viande crue. Dis-moi comment tu mets ta viande dans la bouche phénoménale et comment tu croques de la viande. Comment c'est bon la viande? Vas-y, dis-moi comment tu croques la viande. Oh, il faut voir. Ça y est, t'as rougi mon lapin. Et bah le R, il kiffe. Tu veux pas parler cru? Bah Delciné, je te casse le cul. Vas-y, t'es mort. Et vas-y, tu la prends, tu la b***. Vas-y, c'est fini, frère. Non, toi, je te prends, je te retourne, je te remets. Je te prends, je te retourne, je te remets. Je te prends, je te retourne, je te remets. Et je te mets une b*** dans chaque orifice que la nature t'a offert. La spéciale Régis. J'en ai marre. Mets-toi deux doigts, Julien. Attends, je te retourne. J'ai pas besoin de me mettre deux doigts devant toi, franchement, parce que franchement, j'y arriverai jamais. Je te retourne, je te prends, je te remets. Ah, il jouit. Regardez. Oh, t'es en train de crever là. Non, là, c'est pas comme ça, c'est. Ah. Il joue bien, hein. Oh, yeah. Non, mais je t'apprends à jouer. On l'a bien briefé tout à l'heure. C'est catastrophique. Elon Musk, enchanté de te connaître. Très content. Tu parles français, on a l'impression que t'as un accent américain. Anna, we're gonna make United States of America great again. Oh, Louisette, et tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis un artiste aux multiples talents. Chante, comédien, acteur, d'autres. Tu fais quoi? Je chantais du blues, tu veux écouter? Ah bah d'accord, bah... Et tu viens d'où ce blues? Ah bah d'accord, ce soir, ça, fait blues, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. La chanson s'appelle Direction the Cosmos. Et le traducteur français, bah, t'es toujours là. Quitte le live maintenant, d'accord? Mais je crois, alors, mais quitte pas, les gars, je crois pas. 10, là, on voit Baptiste... On voit Baptiste qui dort. J'arrive pas à comprendre. Coupe le live. Quitte le live maintenant. Oui, mais Baptiste... Non, il dort. Il fait ça pour se faire remarquer. Alors, on va faire... Baptiste. Bon, je vais revenir... Baptiste. Ouhou. Baptiste. Bon, les amis, je reviens tout de suite. Et on revient tout de suite. À tout de suite. Mais enlève-le. Non mais coupe pas ton live. Non, je parle un peu le français, mais je veux venir États-Unis. Pierre Tech. Mais t'as beaucoup. What do you say? It's Star Trek? Ouais, Pierre Tech. Star Trek? Yeah, I like Star Trek. Good. I prefer Star Wars. Enfin, je préfère Star Wars, mais j'aime bien Star Trek aussi. Et j'aime bien le beat. J'ai appris un peu le français en regardant le YouTube. La France. Les vidéos françaises du YouTube. J'ai appris à parler la France en regardant le YouTube. Elle a fou, elle aussi. J'ai les questions. Tu te fous de ma gueule. T'as pas j'ai appris des questions. Est-ce que tu as déjà léché les deux boules d'un mec? Non. T'as craqué. Waouh. Il prépare la commande de ban. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais te ban. Quoi? Voilà, non, je te return. Ah oui, tout le serveur l'a vu ou il y a que moi? Tout le serveur l'a vu. Oh. Putain. Putain! Merde! Attends, merde, je savais pas que t'étais là. T'étais un fou furieux, mec. Je sais pas qui me conseille, je crois que ça me... Attends. Ah ouais, mais il faut que je la spam de ouf! J'arrive même pas à dépasser un dixième. Un grinder, attends, je vais l'essayer. Ah putain, c'est possible! Ah, mais j'ai niqué ma Zeda!
Oh yes. Ce que j'ai mis. Je suis épuisé. Non, je travaille pour une société suisse. Et tu peux faire une démonstration comment tu les chauffes? Ouais, bien sûr. Hein. Vas-y quoi là, joue le rôle de du client quoi là. Allô. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Tu t'appelles comment, dis-moi? Je m'appelle Marc. Marc, bah enchanté, moi c'est Andrea. Et dis-moi Marc, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu recherches? Non mais là ça va pas, c'est lui la chier. Marc, putain, vas-y, déshabille-toi, franchement, et t'as vu, enlève ton pantalon, t'as vu, c'est délicat. Non, parce que si je fais ça, il raccroche. Mais gros, ouais, t'es tellement éclaté au sol que t'arrives même pas à faire une voix de espèce d'enfant de ta mère, t'es mal le truc. Oh, quand tu veux le chauffer, fais-le correctement, je te mets des baves. Oh, finis les choses, et quand tu fais au moins... Ta gueule. Le fils se cache. This is hard. Oh yeah, c'est my dicky. Ah, t'as l'air de bien aimer mon coquin. Vas-y, détends ton gag. La spéciale. Ouais, basse mouche. On dirait sa moule dans la musique. Oui, c'est tout. Il tue, tu vois. Je te la suce là. Tu kiffes ou pas? Ah, c'est bon, c'est Sofiane, les gars, c'est le vrai! C'est le vrai, Sofiane! Comment comme les gens, ça fait combien de temps? T'as pas famille, alhamdoulilah? T'as pas famille, alhamdoulilah? Ouais, va là-bas, là! C'est où, là? Va te soigner! C'est lui, respect, Sofiane! Dites-le moi, hein! Dites-le moi, maintenant, je viens le lundi à 18! Bah, moi, c'est bon, tiens! Ouais, c'est bon, vas-y! Salut, Angela, ça va? Ouais, ça va! Tu vas bien? Ah, impeccable! Tu sais qu'est-ce qui me manque? Deux grosses b. Un dans la bouche, dans la chatte et dans. Ça peut s'arranger, hein. On peut s'arranger, hein, pour la grosse. Non, ça te chauffe pas? Tout sur la tête de ta mère et ton père et toute ta famille. Putain, ta mère, comment ça fait? Plus de ta mère. Oh, j'en peux plus. Putain, la salope. Pite en forme de champignon. Je pense que tu t'énerves. Ah ouais, et tu sais, c'est ça la différence entre toi et moi. C'est que moi, je m'énerve rarement contre toi. Je me suis énervée récemment parce que tu m'as fait encore un vocal full insulte, full men. Enfin. Normal. D'accord, c'est normal. Eh ben, écoute, moi, je vais te dire les choses, Régis. J'ai reçu des mails de personnes que je ne connais pas qui m'ont dit que tu travailles avec le mec de YouTube. Tu parles avec les ouais, que tu parles avec les nanas, etc. Et que tu leur fais miroiter des trucs. Moi. Oui, toi, bah, Régis, il n'y a qu'un seul Régis sur. Enfin, un seul Régis connu comme ça. Parce que j'ai jamais vu un pauvre type comme toi, ta b*** en forme de champignon, avec ton reste de merde, c'est moche, ta b*** est moche, tout est moche chez toi, t'as un sale caractère de merde. J'espère que tu seras banni de cette application, mais pour longtemps, je te jure, t'es insupportable. Ça fait des mois que je te parle, que j'essaie d'avoir une conversation sérieuse avec toi, c'est pas possible. T'as pas de conversation, Toute ta vie gravite autour du cul. Tu parles de cul tout le temps. Tout le temps, à ton grand âge. T'as une maison, t'es là, tu me dis, moi, j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai passé l'aspirateur. Putain, ce que tu mets quand même, parce que voilà, c'est très très fort. Je fais des journées de fils de pute. Moi, je te le dis. Je suis ravie de me libérer de ça, parce que te parler tous les jours, c'était vraiment un truc... C'était dur. Et bah, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Je vais te laisser. Je vais raccrocher. Tu vas m'insulter derrière. Bon, de pute, de pucelle qui baisse pas. Toile d'araignée dans la ch**te. Je me prends pas de gode dans le. Je me prends pas de dans le. Nanani, nanana. Mais j'espère, je veux juste que tu saches, Régis, que ma vie sexuelle est très très bonne. Et que je peux me prendre au moins, je sais pas, deux ou trois fois une dans le. Ça ne te regardera jamais. Voilà. Voilà. Et voilà, allez, j'y vais parce que moi, j'ai des choses à faire. Marine, présidente. Gros respect total, bien sûr, Marine, elle a géré. T'es pas comment il est. Dans les cordes. Il est KO. Voilà. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste?
Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.